Salut, c'est le Jérôme. Ben voilà, le moment de la récolte du miel de printemps approche. La floraison des robiniers qui termine la mielée de printemps a été magnifique. Les abeilles s'en sont donné un cœur joie. Et assez généralement d'ailleurs, ce printemps a été optimal pour toutes les floraisons. L'activité sur la planche de vol est assez intense lors de cette fin de mielée. On a encore laissé les abeilles ventiler pour que les miels soient le moins humides possible. On a trois colonies qui ont produit, d'ailleurs c'est les trois qui ont passé l'hiver parce qu'on n'a pas encore multiplié puisqu'aucune n'a encore montré des signes d'essaimage. Alors une fois que tout est prêt, la veille de la récolte, on va venir installer les chasses abeilles. C'est un petit dispositif qu'on place entre le corps de la ruche et les hausses qui contiennent le miel et qui permet aux abeilles de descendre mais plus de remonter dans les hausses. C'est un peu plus de travail car il faut porter toutes les hausses une à une pour pouvoir placer le chasse-abeilles et puis tout remettre, mais cela permet de ne quasi plus avoir d'abeilles le lendemain dans les hausses, ce qui facilite le travail. Et en plus, les souffleuses, le brossage intense qu'il faudrait utiliser autrement sont vraiment bruyants et mettent tout le rucher en pagaille. En effet, cela doit stresser fortement les colonies. Donc c'est un peu plus d'effort, mais ça en vaut vraiment la peine. Et nous voici le jour de la récolte. Avant d'aller chercher les hausses, on va préparer tout le matériel, c'est-à-dire l'extracteur, les seaux, la planche à désoperculer. Même si tout était déjà propre après la dernière récolte l'été passé, on va tout de même tout nettoyer et rincer. Le miel est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe l'eau et l'humidité, donc il faut bien essuyer et sécher tout le matériel, et si possible récolter par une journée sèche et dans un local sans humidité. On monte l'extracteur qui comprend déjà un filtre gros. Et voilà, la miellerie est prête. Les cadres de miel seront désoperculés et posés ici à droite. Avant de les passer dans l'extracteur, et puis remis dans des hausses vides à côté. Le miel sera mis dans des maturateurs après la filtration à maille fine. Alors c'est parti pour aller chercher les hausses au rucher. Ben voilà, comme on peut voir, le chasse-abeilles a très bien fonctionné. Il n'y a plus que quelques abeilles par-ci par-là. Les cadres sont bien remplis et complètement operculés, ce qui veut dire que l'humidité du miel est optimale. On les prend un par un à destination d'une hausse vide qu'on couvre pour ne pas risquer de ramener des abeilles à la miellerie. Oui, vraiment, il n'y a quasi plus aucune abeille. Vraiment, quelle facilité et tranquillité pour travailler. Il faut juste en brosser une ou deux. On va aussi faire le tri des cadres qu'on va extraire. Donc si le cadre de miel n'est pas operculé à au moins 60%, on va le laisser sur les colonies. Cela fera d'ailleurs une réserve au cas où le trou de mielé serait trop long. Et de toute façon, cela fera partie de la récolte d'été. Pour la récolte d'été, par contre, on ne pourrait pas les laisser car on ne laisse pas les hausses tout l'hiver. Donc pour ces cadres où le miel n'est pas complètement sec, on les mettrait à part et on les extrairait après tous les autres séparément. Et on rendra alors ce miel aux abeilles en nourrisseur pour le stockage hivernal. Le travail à la miellerie peut donc commencer. Pour extraire le miel, il faut d'abord retirer l'opercule de cire que les abeilles construisent pour fermer la cellule une fois que le miel atteint le taux d'humidité idéal. Il y a plusieurs outils possibles, nous utilisons un peigne à désoperculer.
La cire retirée est d'ailleurs la cire de la meilleure qualité que l'on peut extraire de la ruche. Et c'est celle-là qu'on va garder pour faire des cosmétiques ou des plaques de cire gaufrée pour remettre dans les colonies. Voilà, on fait les deux côtés et puis on passe au quatre suivant. On charge l'extracteur avec les cadres ouverts. Dans celui-ci, on peut en mettre 6. Et c'est la force centrifuge qui va forcer le miel hors des cellules. Mais comme il y en a des deux côtés, il faut commencer lentement, sinon le miel du côté opposé défoncerait tout le cadre et la cire casserait et irait partout. On retourne les cadres pour extraire à vitesse lente le miel de l'autre côté. Et puis une fois que le plus gros du miel est parti, alors on peut passer à la vitesse supérieure des deux côtés. Le miel extrait s'écoule par le côté, par cette petite vanne. Et on va aller verser régulièrement le seau dans le filtre au-dessus des maturateurs. Il est filtré pour éliminer tout résidu de cire ou de pollen ou autre. En fin d'extraction, on racle tout avec une maryse. On mettra les opercules à relécher dans des nourrisseurs pour que les abeilles nettoient tout le miel restant sur cette cire et on refondra la cire après en un bloc. Et on peut aussi récupérer le miel qui s'est égoutté dans le bas du bac à des opercules. Pour que le miel se conserve et ne fermente pas, il faut que son taux d'humidité soit absolument sous les 19%, idéalement 18%. On utilise un réfractomètre, ce qui nous indique le taux d'humidité. Ben voilà, ici 18,3 plus ou moins, donc c'est tout à fait bien. L'extraction est finie, mais il faut encore nettoyer tout le matériel pour la prochaine fois. Les hausses avec les cadres extraits qui sont vides sont replacées 2-3 jours sur les ruches pour que les abeilles les relèchent, c'est-à-dire qu'elles prennent le restant de miel présent dans les rayons. Les cadres seront alors tout propres et on évitera une fermentation ou le pillage des hausses qui seraient stockées en dehors des ruches. Avant la mise en pot, il faut laisser le miel reposer afin que les petites bulles remontent en surface. C'est pour ça qu'on appelle les seaux des maturateurs, donc on laisse le miel maturer plus ou moins une semaine. Alors bien que ça n'a aucun impact sur le goût ou la conservation du miel, on va retirer tous les jours cette petite écume. C'est uniquement d'un point de vue esthétique pour mieux présenter. Alors on ne la jette pas bien sûr, hein, nous on la consomme tout à fait normalement. Et voilà, une semaine plus tard, tout est prêt pour mettre en pot. Alors même s'ils sont en principe propres à l'achat, on préfère quand même rincer tous les pots, pas les laver, donc pas de détergent, juste un rinçage à l'eau et puis bien les sécher.
Le miel est transvasé dans un seau avec une vanne pour pouvoir le verser. Et puis le remplissage peut commencer. Alors, nous, on a décidé que la moitié de la production sera laissée telle qu'elle, et pour l'autre moitié, on a préparé pendant la semaine une préparation avec 5 kg du miel qu'on a extrait et qu'on a fait cristalliser pour ensemencer le miel, ce qui fera en fait cristalliser le miel de façon contrôlée. Tous les miels cristallisent, plus ou moins lentement, ça dépend de la composition de leur sucre, le rapport glucose-fructose, et cela peut donner une cristallisation variée, parfois avec des petits grains. On préfère une cristallisation fine en pâte. Et donc cette façon de faire, en ensemençant le miel, force le miel à cristalliser prématurément et de façon fine. Ce n'est pas des additifs, c'est simplement une technique. Et dernière étape de la récolte, coller les étiquettes. On les colle à l'ancienne, avec du lait, et ça tient super bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la ou laissez un commentaire. Et puis après avoir mangé une bonne tartine de miel au petit déjeuner, abonnez-vous !